En tout cas, c'est qui à cette heure? N'est-ce pas très tôt pour venir dans la maison de quelqu'un? Bébé? Quoi? Hey, c'est toi? Attends. Est-ce que tout va bien? Ouais, je vais bien, chérie. Je vais bien. Tu vas bien? Tu as l'air effrayé. Je vais bien. Bonjour. Bonjour. Comment a été la nuit? Es-tu sûr que ça va? Je vais bien. Tu sais, je voulais te surprendre, tu vois. Préparer le petit déj, tu vois. Mais tu as tout foutu en l'air. Désolé. Tu préfères récupérer la place ou bien m'observer? Attends, observe-moi. Regarde comment j'ai fait la cuisine. Observe. N'ajoute pas trop de sucre. Quoi? Tu n'as pas confiance en moi? Tu as pris la mauvaise boîte. Attends. Oh, mais c'est quoi? Oh, bébé. Oh, chérie. Tu es bien habillée. Merci, je pense que je suis prêt. Chérie, tu as vraiment de l'allure. On doit organiser un truc ce soir. Pour quelle raison? Tu plaisantes, n'est-ce pas? Non, quoi? Tu ne te souviens pas? Bébé, c'est notre deuxième anniversaire. Oh, je suis vraiment désolée. J'ai trop de choses en tête. En tout cas, désolée, chérie. Comment est-ce que je peux oublier une telle chose? Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui te préoccupe? Dis-moi un peu, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas, ça va. Es-tu sûre de ne pas en parler? Eh ben, ça va aller. Nous avons fait 2 ans ensemble, chérie. Qu'est-ce que je suis reconnaissant de t'avoir dans ma vie? J'aurais souhaité dire la même chose. Vraiment? Je t'ai fait marcher, je plaisante. Tu plaisantes avec des pareils sujets? Écoute bébé, il serait mieux que tu partes. Avant ton retour, tout sera prêt. Ok? Merci ma femme. Ah, sois sage. Très bien alors. La clé de contact est au salon. Ok, allons-y. Bien. Ouais. J'espère qu'il n'y aura pas des embouteillages. Sois sage et reviens tôt. Bien sûr, bébé. D'accord. Tu vas beaucoup me manquer. Oh non. Sois très bien. Je m'en vais. Passe une belle journée. À mon retour. Bye. Allô? Oui, s'il te plaît, peux-tu me faire un gâteau? Pour le 2 ans d'anniversaire de mariage. Aujourd'hui, la nuit. Oh, d'accord, merci. Pas de problème. Ok.
sérieuse? Ravie de te Ravie voir. Ravie de te voir aussi. Allez, prends place. Merci. Tu n'arrives pas à me faire à l'idée que tu es venue chez moi. Waouh. Oh, oui. En tout cas, c'est une surprise. Mais où étais-tu passée? Je suis toujours là. Oui. Ah, je vais bien. Et comment as-tu fait pour me retrouver? Ah, bon, c'est une longue histoire. Moi-même, j'ai fait un effort de te chercher. Voilà pourquoi je t'ai trouvée. Je connais. Oui, je te connais. Waouh. Ben, je commençais à croire que tu étais mon cadeau d'anniversaire de mariage. Oh! Ton anniversaire aujourd'hui? Oui. Waouh! Joyeux anniversaire! Merci. Merci. Jolie maison. Merci. C'est mon mari qui s'est occupé de la décoration. Ah! Qu'est-ce que tu vas prendre? Donne-moi une seconde. D'accord. Je reviens. Je me rappelle de comment tu courais tout le jour pour arriver à temps à l'entreprise. Tu saluais tout le monde rapidement et tu attendais l'arrivée de papa. Et là, ton père va venir vers moi me dire « Hey Naomi, tu es ma secrétaire et pas l'heure. » Je sais. Je dois avouer qu'il était un grand bosseur. Bien sûr. Tout le monde l'aimait tant. C'était un homme bon. Il ne me traitait pas comme sa secrétaire. Je déteste quelqu'un. Comment va ton mari? Oh. Ça doit se remettre à lui. Donne-moi une seconde. Je reviens. Ah ah. Oh. Chérie. Oh. Joyeux anniversaire. Merci. Merci. Oh. Hey, écoute. J'aimerais que tu mettes une robe hyper sexy ce soir, car nous sortons. Bébé, nous avons de la visite. Ok, nous avons de la visite. Elle, c'est Naomi. Elle était la secrétaire de mon père. Naomi, je te présente mon mari. Salut. Elle était qui chez ton père? Secrétaire. Puis-je te voir en privé, s'il te plaît? Maintenant. Est-ce que tout va bien? Ne te dérange pas. Je reviens. Ce n'est pas bon ça, chérie. Ce n'est pas bon du tout. On a duré ensemble et tu aurais dû me dire. Donc bébé. Tu m'avais menti. Non, 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 ne m'appelle pas bébé. Tu m'avais dit que tu es orpheline. C'est ce que tu m'avais dit. Mais je le suis. Non, tu ne l'es pas. Tu m'as fait croire que depuis que tu es venue dans ce monde, personne ne s'est occupé de toi et que tu n'as jamais vu ton père. C'est faux. Mon père est mort. Et tu n'as pas pensé à pouvoir me tenir au courant? Désolée, je n'avais pas trouvé que c'était important. Ce n'était pas nécessaire de me dire que tu as perdu ton père il y a quelques années. Je devais avoir cette information auprès d'un étranger, bon sang. Et donc, on se cache des choses maintenant? Non. Que non! Désolée. Pas comme ça! Tu sais ce que je ressens maintenant? Je suis en colère! Bébé. Oh, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Ok, laisse-moi prendre la boisson en bas. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais ici? Ça fait très longtemps, boss. Qu'est-ce que tu fous ici? Je pense t'avoir interdit de m'approcher. Qu'est-ce que tu fous ici? Qu'est-ce que je peux dire? Ton passé. C'est pour ça que ton visage est pareil. Je sais quelque chose que tu ne sais définitivement pas. Ça m'est égal. Quitte ma maison, maintenant. 5 millions. Quoi? J'ai besoin d'une somme de 5 millions. Naomi.
Je n'ai pas 5 millions. Va-t'en. Ok. Dis à ta femme que je suis partie. Et au cas où tu auras besoin de me rencontrer, j'ai pas changé de numéro. Naomi. Ne reviens plus jamais ici. Jamais. Je suis désolé, chérie. S'il te plaît. Je suis désolé. Je sais que j'ai mal réagi, alors j'étais juste dépassé par cette soudaine information et voilà. Je comprends combien ça te fait mal. Je sais combien c'est trop dur pour toi, je le sais. Je ne suis pas ici pour renouveler tes blessures. Mais je suis là pour les faire disparaître. Bébé, je sais aussi que j'ai en quelque sorte fauché notre deuxième anniversaire et... Mais je te promets que je vais me rattraper. M'as-tu compris? Mon père était très riche. Très humble et gentil. Il était un homme bon. Il était gentil envers tout le monde, que ce soit ses travailleurs ou avec n'importe qui. J'ai perdu mon père et j'ai... C'est un sujet que je n'aime pas en parler. Je sais, je suis désolée. J'ai gardé ces secrets parce que je ne voulais pas en parler. Ça me fait mal quand j'en parle. Désolée. Ça va, chérie. Comment est-ce que quelqu'un aurait pu lui faire ça? Comment? S'il te plaît. Je t'en prie. Calme-toi. Je suis désolée. Ça va aller. Thank you.
Assieds-toi, ma chérie. Allez. Salut. Vas-y, entre. Prends place. Merci. Désolée de t'avoir laissé en plan la fois passée. Et tu ne m'avais pas aussi laissé ton numéro. Je sais. Peu importe, comment vas-tu? Je vais bien. La dernière fois, nous n'avons pas beaucoup causé. Par là, je veux dire que tu es revenue, mais qu'est-ce que tu fais? Rien de grave, hein? Je suis en train de chercher un travail. Un travail? Mais ça, c'est pas un problème. Mon mari dirige une grande entreprise. Je vais causer avec lui pour qu'il t'engage. C'est vrai? Oui. Merci énormément, tu es très gentille. Oh, allez. Merci. Tu servais très bien mon père. Tu étais très humble et exceptionnelle. Alors pourquoi je ne le ferais pas pour toi? Ça va. Que son âme repose en paix. Amen. Que voudras-tu manger? Je suis en train de faire quelque chose là-bas à la cuisine. Je suis désolée, je dois partir. Oh. Je mangerai prochainement, je vous promets. D'accord, merci, c'est gentil. C'est pas grave. Merci. Au revoir, bye. Oh. Ok, bye. Au revoir. Bye. Tu m'as fait attendre. J'étais chez toi. Reste loin de ma femme, Naomi. Tu l'aimes réellement. Voilà le chèque de 2 millions. Prends-le. Et disparais. Entendu. Prends cet argent et disparaît de ma vue. Je veux bien le prendre, mais je vais aussi retourner vers toi. T'inquiète. Oh, tiens donc. Tu ne la connais pas aussi bien que ça. Je la connais bien. Elle est intègre. C'est quelqu'un à qui tu peux faire confiance. Écoute, Écoute, je n'ai pas de vacances pour elle maintenant. J'en ai pas, hein, voilà. Je n'ai pas besoin d'elle, voilà. Alors fais d'elle ton assistante. Hein? Chérie. Tu peux lui faire confiance, bébé. Oh. Puis-je y réfléchir, s'il te plaît? Oui, du genre... Quand est-ce qu'elle va commencer? Bébé, Naomi fera une bonne secrétaire. Je suis sûre de ça. Chérie, écoute. Ce n'est pas comme si je ne veux pas l'engager chez moi, tu vois? C'est juste que je n'ai pas besoin d'elle pour le moment. Je n'ai pas besoin d'elle. Je sais, mais bébé... Tu dois faire quelque chose pour elle. Je t'en prie, fais-le au moins pour moi. Chérie, c'est une bonne secrétaire. C'est pas que je fais sa pipe, mais c'est vraiment une excellente. Ok, très bien. Lundi.
qu'elle débite le lundi, mais elle doit faire attention. C'est d'accord. Merci, chérie. Oh, je t'aime beaucoup. Où est la nourriture, alors? Chérie, je pars rapidement faire un truc pour toi, je reviens. Bonjour, boss. Je suis venue déposer ceci. C'est très impressionnant de voir combien tu es manipulatrice. Comment oses-tu, Naomi, utiliser tes pouvoirs manipulateurs chez ma femme? Comment oses-tu? Quel pouvoir? Que je te dise quoi? Je sais qui tu es. Je connais ton genre et je sais ce que tu veux, mais tu sais quoi? Je ne céderai pas à ça. Où est l'argent que je t'avais donné? Quel argent? Je t'avais donné 2 millions de naira pour que tu disparaisses et que tu laisses ma femme tranquille. Où sont-ils? Je ne te dois rien. Je suis ici pour jouer mon rôle de ton assistante personnelle. Boss, dites-moi combien je serai payée. Boss. En toute impunité. Je n'apprécie pas cette fille. Je ne l'aime pas, en fait. Elle est juste... Je ne sais pas, mais la manière dont elle fait les choses, je n'apprécie pas du tout. Non, je n'apprécie pas. Bébé, jusqu'à présent, tu n'as pas encore dit ce qu'elle a fait de mal. Je connais cette fille et je l'ai déjà vue travailler. Toi et moi savions que c'est une excellente. Je sais comment t'es. Il suffit seulement que quelque chose te dérange et tu sors de ton assiette. Hein? Bébé? Quoi? S'il te plaît. Ne pouvons-nous pas lui chercher du travail ailleurs? Non. Oh, chérie, dis-moi. Oh, chérie, arrête. Tu sais que je ne peux pas résister. S'il te plaît. Pourquoi? Oh, s'il te plaît. Oui. Tu sais que je ne peux pas dire non. Bébé. Ouais. Je me disais peut-être qu'il serait mieux qu'on invite Naomi venir dîner chez nous. Pourquoi? Bébé, arrête de te comporter comme ça. Tu sais, elle fait partie de mon passé. Et dès que je la vois, je ressens comme si je... Non, je pense que sa présence ici va compliquer les choses. Elle va te rendre triste. C'est pour cela que je pense que ce n'est pas bon pour toi. Non, ça ne va pas me rendre triste. Ok, tiens donc, regarde,
Je comprends qu'elle fait partie de ton passé, mais tu n'aimerais tout de même pas te plonger dans des histoires de dépression en te rappelant le passé, n'est-ce pas? Tu n'aimerais pas les faire. C'est tout le contraire. Chérie, j'ai vraiment beaucoup de belles histoires que je peux partager avec elle, tu sais. Oui. Ok. Es-tu vraiment sûre? Oui, c'est vraiment ce que je veux. C'est ce que tu veux? Ok. Très bien, alors. Je vais lui parler demain, comme tu insistes. D'accord. Parfait. Ok, j'ai déjà fini, monsieur. Il reste la signature. Vous devez signer le contrat avant de le remettre. Très bien, je vais y jeter un œil. D'accord. Attends. Ma femme voudrait que nous t'invitions à la maison pour un dîner. Ah, waouh! C'est une bonne chose de sa part. Je veux que tu l'appelles et que tu lui dises que tu ne passerais pas. Non. Elle est trop gentille pour être rejetée. À ce soir, boss. Veuillez m'excuser. La seule raison pour laquelle je n'aimerais pas tuer cette pétasse, c'est parce que je ne suis pas un meurtrier. Waouh, elle n'est pas encore venue? Non, non, pas encore. Alors, je ne pense pas qu'elle viendra. Ah. Ça doit sûrement être elle. Ok, va voir j'y vais. À la porte. Je suis désolée pour mon retard. C'est pas grave. Oh, chérie, regarde, elle a même apporté le vin. Tu n'étais pas obligée. C'est juste une bonne intention. Allez, prends place. Mets-toi. Merci. On attendait qui toi. Bébé, laisse-moi te servir. Est-ce qu'on peut d'abord prier? Alors, donc, notre Père qui est aux cieux, merci pour un jour comme celui-ci. Merci pour cette nourriture, nous la bénissons et je bénis cette famille. Amen. Amen. Oui. Chérie, oh, vas-y, serre-toi. Vas-y. Attends que... Oh! Merci. Chérie, peux-tu m'aider? Bien sûr, pourquoi pas. Oui. C'est ça. Je crois que ça suffit avec le riz. Cette nourriture a une très bonne odeur. Oui, je l'ai fait spécialement pour toi. Merci. C'est bon pour moi et la viande. Bébé, prends. Ça, c'est pour toi. Doucement. Oui. Doucement. Aide-moi. Ça, c'est pour moi. D'accord. Waouh. Ok, allez, je prends aussi pour moi. Merci. Nous l'avons fait spécialement pour toi. Merci. En tout cas, c'est cette photo me fait du bien. Vous étiez très contente. Oh, avec votre robe de mariage. C'était un jour très merveilleux. Honnêtement, non. C'était les pires jours de ma vie. Que voulez-vous dire? Je ne comprends pas.
Eh bien, tu ne vas pas comprendre. Où est-ce que tu habites? Avec une amie. Une amie qui me traite comme de la merde. Une amie? Alors, pourquoi elle te traite comme ça? Parce qu'elle a vu à peine j'ai trouvé un très bon boulot. C'est la jalousie. Alors, pourquoi tu ne viens pas t'installer ici? J'ai beaucoup de chambres vides. Viens vivre ici, ça va t'épargner du reste. Êtes-vous sérieuse? C'est gentil. Oui. Merci, merci énormément. Allez. Je suis flattée. Merci bon. Énormément. C'est rien du tout. Merci, merci beaucoup. Non, d'accord. Non, je ne peux pas être d'accord avec ça. Non. D'abord, tu m'as demandé de lui donner de l'emploi. Je lui ai donné. Et maintenant, tu veux qu'elle habite avec nous. Pourquoi? Comment? Bébé, elle est ta secrétaire. Vraiment? Oui. Vraiment? Et tu ne trouves pas que c'est une raison de plus pour qu'elle reste en dehors? Elle est ma secrétaire, elle n'est pas ma femme, elle n'est pas ma sœur, elle n'est pas de notre famille. Chérie, écoute, je comprends que tu es gentille. Mais regarde, permettre à cette femme de venir vivre dans cette maison, c'est trop demandé. Elle n'est qu'une étrangère. Elle n'est pas une étrangère, elle est la secrétaire de mon père. Elle fut la secrétaire de ton père, bébé. Tiens donc, elle fut. Tu dois comprendre, bébé, quelle est la seule chose qui me rappelle de ma famille. Oh, je ne peux pas croire ça. Elle était tout le temps là les jours de mes anniversaires quand mon père était très occupé au travail. Elle était toujours là quand je soufflais mes bougies. Elle faisait pratiquement tout pour moi. Un jour, elle m'avait même sauvé d'un incendie, chérie. S'il te plaît. Je t'en prie. Naomi, viens que je te montre ta chambre. Que je me... Oui, ta chambre. Ok. Entre. C'est la chambre que tu vas occuper chez moi. Oh, merci, merci. Allez, ça suffit. Vous avez beaucoup fait pour moi. Allez, d'accord, c'est bon. Allez, fais comme chez toi. Merci. C'est bon. D'accord. Oh, je te laisse. D'accord. Dieu. Et si Naomi le découvrait et décidait de le dire à ma femme? Que puis-je faire? Chérie, tu dois savoir que je ne veux pas te perdre. Je t'aime. Je t'aime tellement, bébé. Je suis désolé. Je suis désolé pour tout. Il faut que je fasse quelque chose. Si je t'ai donné les 5 millions de naira que tu m'avais demandé, vas-tu les prendre et disparaître? Et ne jamais rentrer ici? 50 millions de naira fera l'affaire. Quoi? As-tu perdu la tête?
Je ne suis pas gourmande. Bien sûr que tu l'es. Je vais me demander plus que ça, tu sais. Va-t'en. Sinon, tu finiras mal. Bébé. Salut, bonjour. Bonjour. Oh mon Dieu, c'est vraiment étonnant. Ouais, exact. Bébé. Oui. Tu as fait le petit déj? Oh, bébé, écoute. Tu vas bien? Oui, je vais bien en fait. J'ai eu un appel et je dois aller quelque part urgentement. Avec l'estomac vide? Non. Oh, bien. J'insiste, tu dois prendre ça. Ok. Oui. Je vais essayer de manger quand je me change, ok? Très bien. Oh, c'est très gentil. Je t'aime. Merci beaucoup. De rien. Merci. Dans ce cas, que j'aille rapidement prendre mon verre. Je reviens. D'accord. C'est vide. Comment? Ah, comment est-ce que j'avais oublié? Je peux demander? Est-ce que je peux... T'es juste en train de... Entre. Je peux partir pour revenir même après. Viens t'asseoir. Mon mari n'est pas au courant de cet aspect de ma vie. Alors j'apprécierais que ça reste comme tel. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi avez-vous changé? Oh mon Dieu! Comment est-ce que je me suis mise dans ces pétrins? Oh. Commence à me faire mal. Oh, je me sens mal d'avoir accepté son offre. Mon Dieu! Oh. Je le ferai. Je vais le faire. Es-tu sérieuse? Donc, tu es d'accord? Oui. Oh, merci beaucoup. Merci. Je t'en suis très reconnaissante. Oh mon Dieu. Merci. Merci beaucoup, mon ami. Merci. Je te promets que tu ne vas pas le regretter. Je le fais juste pour toi. Je sais. Merci.
Chérie. Oui. Je t'avais apporté un truc aujourd'hui. Oh. Qu'est-ce que c'est? Je t'ai apporté un billet. Un billet de Nama Roussot. À ce que je sache, c'est pas dans la ville. Je le sais, voilà pourquoi je t'ai acheté un billet de business class pour que tu puisses voyager. Mais chérie, il semble que tu n'es pas tellement contente de ça. Oh, bébé, c'est pas que je ne suis pas contente, c'est juste que... Je crois que c'est pas les bons moments pour moi de voyager. Ok. C'est juste qu'un jour, je t'ai entendu parler d'un voyage, alors je me suis dit, pourquoi pas maintenant, hein? Tu vois, mais si tu dis que ce n'est pas les bons moments pour voyager, je comprends. Je suis désolée, mais on peut toujours réserver le billet. Je pourrais l'utiliser plus tard. Sûr. Es-tu fâchée? Pas du tout, ce n'est pas grave. Merci. Tu vas bien? À quoi est-ce que tu penses? Je vais bien. Qu'est-ce que tu fous ici? T'es venu prendre le dossier pour lequel vous m'avez demandé de travailler. Et tu n'as pas jugé de me dire avant? Je sais que vous me détestez. Voilà pourquoi je ne voulais pas du tout le faire pendant que... Sors je... vite de mon bureau. Et dis au conseil que la réunion est repoussée d'une heure. D'accord, monsieur. Allô? Allô? Tu l'as? D'accord. Mets-toi au travail. Oui. Bébé, ton téléphone sonne. Oh, ok. Ah oui, allô? Quoi? Écoute, tu ne peux pas faire ça. Non, tu ne peux pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais... Je dois partir. Qu'est-ce qui se passe? Partir. Chérie, est-ce que tout va bien? Je dois partir. Ça y est.
Mais c'est quel genre d'ennui comme ça, hein? Pendant combien de temps vais-je rester ici à attendre ces gens? Pendant combien de temps vais-je... Ah. Qu'est-ce qui ne va pas? Par où vais-je commencer? Mais ils m'ont demandé de venir ici, c'est ça l'endroit. Oui, allô? Mais que veux-tu dire par là? Mais je suis là, non? Je suis à l'endroit que tu m'avais dit. Je suis désolé d'avoir crié. En fait, le problème est que j'ai été là il y a un bout de temps, mais tu n'es pas là? Est-ce que c'est ma femme? Ok, désolé. Ne lui faites pas du mal, ok? J'ai votre argent ici. Je peux même vous donner cet argent maintenant, là. Quoi? Je suis censé venir quelque part d'autre? Oui, je vous écoute. Juste dites-moi l'adresse et je serai là d'ici là. Oui. Bébé, tu vas bien? Tu vas bien? J'ai peur. Ils ne t'ont pas fait du mal? Ils étaient là. Non, oui. Ils m'ont rien fait. Ils ont juste dit que tu devais donner 20 millions. Si tu ne donnes pas 20 millions, ils vont me tuer. Si tu ne leur donnes pas 20 millions. Oh bébé, j'ai peur. Ah, désolé. C'est bon, chérie. C'est bon, ça ira. Calme-toi. Où est-ce que tu as trouvé l'argent? Hein? Où est-ce que tu as trouvé cet argent? Mais ça, ce n'est pas un problème, ok? C'est bon, c'est résolu, ok? Et je te promets que personne ne te fera du mal, ok? Merci, ok, bébé. Je suis là. Oui. Ne me quitte pas. Jamais je ne ferai. Je ne t'abandonnerai s'il te pas, plaît, je suis là. Ne me quitte pas. Je ne te quitterai pas. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Hé, bébé, écoute, calme-toi, hein, ça va aller. Calme-toi, tu vois, ça a été vraiment une très longue journée, ok? Et alors, on est épuisé, on doit se reposer. Ça va? Ok, montons, allons nous reposer, s'il te plaît. Désolé, sois forte, ok? Désolé, ça ira. Arrêtez ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Comment oses-tu? Comment oses-tu essayer d'enlever ma femme? De quoi parles-tu? De quoi je parle? Tu veux jouer au semblant avec moi, c'est ça? Que penses-tu de ce qui s'est passé il y a 5 ans? Veux-tu arrêter de faire semblant? Si tu n'as raconté à personne cette histoire, comment est-ce qu'on m'appelle pour me dire que ma femme est en otage et que je devais payer 20 millions pour la libérer? Donc tu as 20 millions de Naira pour leur donner? Ce n'est pas ça le problème. Alors c'est quoi le problème? À qui est-ce que tu as dit ce qui s'était passé il y a 5 ans? À moins que tu l'aies fait. Et s'il te plaît, n'ose plus me tirer comme ça, ok? Jamais! Pas ici, mais où c'est? Ok. Allô?
Juste, renvoie les rendez-vous dans 2 heures. Envoie-moi l'adresse dès que tu peux. D'accord. Je dois lui dire. Je dois lui dire maintenant. Je dois tout lui dire. Je dois lui dire maintenant. Je dois lui dire. Ah. Sarah, j'aimerais vous parler. Tout de suite? Oui, c'est très important. Est-ce que tout va bien? Oui, non. J'ai un truc très important à vous dire que j'ai toujours gardé. Écoute, s'il te plaît, écoute, c'est pas les bons moments. À mon retour, nous allons en parler. Je dois rapidement me rendre quelque part, donc on se voit plus tard. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. J'ai pas le temps, je pars. Pourquoi ne veut-elle pas m'écouter? Je dois le lui dire. Alors si seulement elle apprenait ce secret et... Et si elle l'apprenait et qu'elle m'envoie au prison? Mon Dieu! Salut chérie. Salut bébé. Comment tu vas? Je vais bien. Allez, mets-toi. Comment s'est passée ta journée? Elle a été parfaite. Chérie, s'il te plaît, j'ai une bonne nouvelle. Allez, la nourriture est déjà servie? Oh, oui. Intéressant. Tu vois, j'ai pensé à aller me laver d'abord avant non. de... Non, non, chérie. Ça ne peut pas attendre. Je... Ça ne peut pas. Mets-toi. D'accord. Oui. Merci. Qu'est-ce que nous avons ici? C'est bon les gars, avant que nous mangions, juste trinquons. Pour une meilleure relation. C'est ça chérie. Oui. Santé. Waouh, génial, mangeons. Merci. Bébé, le repas te plaît? Et alors, quelle est cette bonne nouvelle qui ne peut pas attendre? Mange. Bien, je tenais à vous remercier tous les deux pour m'avoir rendu orpheline. Vous voyez, c'est juste un remerciement, alors on peut continuer à manger. Non, 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 tu as dit... Je n'étais pas bien saisi, alors tu... Tu as dit que nous t'avons rendu orpheline. Tu veux jouer à l'ignorant? Oh, allez. Oh. De quoi est-ce que tu parles? Mon Dieu. Sarah. Je suis désolée. Ah. Je veux tout vous dire maintenant. Juste tais-toi. Pourquoi l'as-tu fait? C'est votre mari qui devait bien le faire. Oh, mon mari? Il t'avait demandé de lui remettre tout ce dont mon père avait travaillé. Je croyais que mon père était gentil avec toi. Est-ce qu'il te faisait du mal? Cet homme était gentil avec toi comme personne ne l'a jamais été avec une secrétaire. Il te faisait confiance, il t'avait donné son bureau. Il t'avait donné accès à sa vie, il t'aimait de tout son cœur. C'est de cette façon que tu avais jugé bon de le remercier, en les trahissant. Je suis désolée. Oh. Je suis profondément désolée. Je vous en prie, je ne sais même pas qu'est-ce que je pourrais vous dire. Pour l'instant, je... Allez, tais-toi. Mon très cher mari. Chérie, s'il te plaît, regarde. Toi? C'était toi. Tu as pris tout ce qui appartenait à mon père. Toi. Je suis désolée. Et d'ailleurs, tu m'avais même menti que ton nom était Léonard. Pendant que ton vrai nom est Stani. Oh, te demande pas comment je l'ai su. Elle me l'avait dit. Allez, trinquons. Ouais. On va jouer à un jeu. Que j'ai nommé Partager de secrets. On dira que la vérité. Écoute,
Je vais te parler de quelques-uns de mes secrets et toi aussi tu vas me parler de tes secrets. Ok. Ça te va? À nous. Ok, et qui va commencer? Commence d'abord. Dis-moi. Je prends des contraceptifs à chaque fois que je fais l'amour avec mon mari. Oh. Je sais. Tu n'es pas gentille, toi. Je ne fais pas confiance aux hommes. Et surtout pas après ce qui était arrivé à mon père. Tu sais, je m'étais mariée juste parce que... je voulais faire la même chose que quelqu'un avait fait à mon père. Mon mari. Je veux dire, tu ne trouves pas ça intéressant qu'en fin de compte, je vais prendre tout ce qui lui appartient? Tu es mauvaise. C'est ton tour. C'est à toi. Oui. J'ai un secret. Un très grand secret. Raconte. C'était un très grand plan que j'avais. De prendre tout ce qui appartenait à mon ancien boss. T'es très mauvaise. Quelqu'un m'avait dit que Je lui donne tous les documents que je possédais, qu'il le prenne avec lui. Et qui est cette personne? C'est quoi encore son... Non, je... Ok. Léona Stanley Eze. C'est ça son nom. Il t'avait payé combien? 5 millions. Tu es vraiment cette pétasse, dégage. Je suis vraiment cette pétasse, je te dis franchement. Je le suis, pétasse. Je suis une pétasse. Je sais ce que je fais. Tu sais, je me demandais toujours là où tu étais partie. Au funérailles de mon père, tu ne t'es pas fait voir. Tu étais venue juste pour rendre tes hommages. Après tout l'amour qu'il te montrait, et soudainement, boum, tu as apparu chez moi. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Oui. Je devais mener mes enquêtes. Et à la fin, j'étais très déçue. Oh, donc tu croyais que j'allais juste m'asseoir et te faire confiance? J'étais utilisée pour faire la même chose. Tout comme Stanley ou Léon l'avaient fait. C'est juste que cette fois-ci, tu ne seras pas payée. Mais ça va plutôt t'écouter la vie. Je ne peux pas. Ce que vous me demandez est très dangereux. Alors c'est seulement s'il m'a attrapé. Personne ne va t'attraper. Je te montrerai quoi faire. Et je serai avec toi. En tout cas, je ne peux pas. Je ne peux pas vous laisser faire tomber votre mari. Je ne peux pas le permettre. 5 millions d'énergie à cash. Qu'est-ce que tu en dis? Vous allez me payer 10 millions d'énergie pour ça? Oui. Alors? Tu travaillais pour elle? Oh, bien sûr que oui, elle travaillait pour moi. Ta maison, ton entreprise, je les ai récupérées. Y compris le 20 millions d'Enera. Je l'ai versé dans mon compte. C'était aussi ton plan, ça? Bien sûr que je l'avais fait. Je l'avais fait. Vous m'aviez menti? Vous m'aviez donné d'autres raisons. Vous étiez déjà au courant de tout? Je ne pouvais pas faire autre chose si ce n'est pas jouer au jeu. Oh, désolée.
au cas où vous demandez qu'est-ce que j'ai mis dans la nourriture, c'est du poison. J'ai mis du poison. Quoi? Allô, bon après-midi. Est-ce que c'est bien la police? Je vous appelle depuis le numéro 5 de l'avenue Ladi, précisément à Clécota. J'arrive, mais il y a des gens ici. Thank you.
clair qu'ils ont été empoisonnés à travers la nourriture. Il n'y a pas de sang. Vous avez raison, détective. Mais la vraie question, c'est... Qui nous a appelés? Monsieur? Ouais? Je vois une note ici. Prends-la. Ok. C'est quelqu'un qui s'est vengé. Faites-moi voir ça. Agent Kate. Monsieur. Appelle l'hôpital. Qu'il vienne avec l'ambulance. Pour l'instant, je vais prendre les photos de la scène. D'accord, monsieur.